J'ai vraiment pas de chance dans ce match. Draft avec les joueurs les plus grands à chaque fois. On a déjà fait les plus petits. Faut faire l'inverse forcément. Les plus grands. Là je pense qu'on aura sûrement un Figo pour commencer à mon avis. Ou Suarez 1m82. Ou Suarez. Bon, Cristiano Ronaldo avec normalement 85. C'est pas trop mal. Pour l'instant on a un petit lien en plus de Liga. On a déjà eu Suarez en premier choix. Cristiano et Bale. Ça commence plutôt bien. Ensuite 1m86 ici ça va être du Thomas Müller. Müller le plus grand, ouais. Exactement. Ici, petit pronostic, je dirais Milinkovic, je crois qu'il est très grand. Bah, 1m91. Allez, on part sur un Milinkovic-Savic. Ça peut faire un lien plus avec Cristiano. Pas trop mal. Ensuite, milieu de terrain, c'est Partey, 1m85. Bah écoutez, c'est pas plus mal le Partey parce qu'il fait un petit lien de Liga avec Bale et Suarez. Ensuite, arrière droit, Yann Mat à tous les coups. Malheureusement, c'est le moins bon. Le néerlandais Yann Mat, défense centrale. Sanchez, il est plutôt grand. À Serbie aussi, je crois. On va regarder. Ah, il y a Serbie, 1m92. Malheureusement, on ne met pas super bien. Quoique, on peut le mettre côté italien. On peut se faire un petit truc. Ici, le plus grand. On s'arrête vers Vertonghen. 1m89, ça se jouait. Ou De Ligt. 1m89 également, Matej De Ligt. J'aurais vu un tout petit peu moins grand, De Ligt. Vous voulez du De Ligt? On part sur un De Ligt. Oh là 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 là. On avait du lourd, on avait du Robertson Totti. On va avoir du Kolarov 1m87. Non, Vertonghen 1m89. J'ai pas fait gaffe qu'il était là. Je veux vraiment venir. Hein. Le gardien le plus grand ici, ça va être Derea, pardon, Gulaksi. Le bon maintenant. Ça va être compliqué. Hein. La draft va être très 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 dure, je sens. 2 mètres pour Pop. Je pense qu'il a pas trop de concurrence. On enchaîne ici. Je pense que ça va être Sergio Ramos à mon avis. 1m84 pour Sergio Ramos ici. Quoique on pourra se faire un petit côté droit à Liga sûrement. On verra, tout dépend des cartes qu'on aura à disposition. 1m92 pour Boateng. Ça nous... Je sens que le collectif va être très très compliqué. 1m88 pour Danilo Pereira. Paul Pogba 1m91. Sûr et certain que ça passe. Mais après, Pogba également, on ne sait pas trop comment le caler. Alors, oh là là, on avait du Agüero 91, Mbappé 90, Griezmann, Iličić. Lequel sera le plus grand ici? On n'a que des petits joueurs. Ah non, Iličić, je savais pas sa taille justement, c'est le seul dont je ne savais pas la taille parmi les 4. Ça va être du Lukaku à mon avis. Lukaku. 1m75 pour Nakata. Ah dommage, 76 pour Kimmich. La draft elle est catastrophique. Niveau collectif. Ouh, Akin Fenwa, je pense être le plus grand non? Ah non, il est tout petit. Il est stock de ouf. On enchaîne. Niveau collectif, c'est vraiment une galère. Bernard Deschi, plutôt bien au milieu de terrain, on verra. Il nous reste une carte. Après celle-là, il nous reste une. 1m88 pour Dumfries. Dernière carte. Ouais, le collectif est horrible. Petit peut-être? Non, petit il est pas. Ah, 1m85. C'est Yoris le plus grand, mais on a déjà des gardiens. Je pense qu'on peut prendre un joueur au moins. Je peux prendre un joueur, on est d'accord. Parce que j'ai déjà des gardiens en vrai, ça me sert vraiment à rien d'avoir un gardien. Surtout que j'ai même pas le collectif avec mes gardiens en fait. Oui, oui. Allez, on prend le plus grand joueur ici, parce que Yoris c'est le gardien. Donc c'est Kieni. En plus, Kieni peut nous mettre plutôt bien, on va dire, dans l'équipe. On va tenter comme ça. On a qu'une vie. Let's go. Il nous faut un petit Inzaghi pour un renard de surface. Ça 80 avec Montella 80 aussi. Mais c'est même pas le vrai Inzaghi. C'est même pas Pipo Inzaghi. C'est pas grave. Draft à 166. Nul, 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 nul. Il y a moyen de faire une défaite directe. Tout simplement. Au pire, on recommencera, on verra. Allez, c'est parti. Premier match. On affronte une équipe à 190 avec du Baresi. Du Zidane 96, du Alexander Arnold Totti, du Son, du Aubameyang, Mané. C'est fini pour moi. Adieu. Une star direct. On va enlever directement Yann Mat au milieu de terrain parce que Yann Mat c'est pas la folie. Ensuite, ouais, allez, Suarez en 10 ici. Et même on va mettre Bale. Et Bale ici. Allez, je fais entrer 3 cracks. J'ai besoin de 3 cracks pour gagner. Suarez, Bale et Pogba qui rentrent sur le terrain. On a tellement peu de collectif que j'espère que ça va nous aider un petit peu. Ça va ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Vous passez une bonne soirée. On arrive dans une draft actuellement avec les joueurs les plus grands. Elle est horrible, mais on va essayer de faire une petite perf. Allez, premier tir ici. Let's go! Luis Suarez, il vient de rentrer directement avec Pistolero pour le 1-0. Cristiano. Allez, fini. Let's go! Luis Suarez, doublé. On va le prendre. Attends, je m'en sors bien. Allez, allez, la petite passe, fini. Putain, on joue bien, hein. 75 de collectif, mais jeu en triangle, tout ça. 33ème minute, 33 secondes, 3 buts. Fresh kicks. Voilà, je pense qu'il y avait un truc là. Il y avait un truc qui se passait avec que les 3. 3 buts et Rashkit. Et 3 tirs cadrés, 3 buts. Deuxième tour, 2 drafts, De Jong, Totti, Messi 96, 190 encore en face. Bon, là, je pense vraiment que on devrait perdre celui-là. Normalement, ça va être chaud. Allez, Paul Pogba, il est passé.
Allez, le 1-0 normalement. Let's go. On commence bien. 7ème minute 1-0. Parce que là, c'est trop pay to win. Voilà. Je crois qu'il va quitter. Cristiano Ronaldo, 2-0. 13ème minute face à une équipe qui a 190 encore une fois. J'en reviens pas là si on fait rage quitte le mec. C'est incroyable. Cristiano, 3-0, 17ème. La draft elle est dingue. Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce bordel? J'ai une équipe, elle est éclatée contre le sol. Déjà des 3-0 super rapidement. Il l'a pas eu celle-là. Allez. Il est tiche peut-être pour le 4ème but. Et on finit, let's go! Bon, les buts se ressemblent un petit peu, mais en même temps, ils sortent les gardiens. Donc, je suis obligé de le mettre. 4-0, pause demandée par Véronica à la 25ème minute. Et le rage kit numéro 2 en deux matchs. Incroyable pour l'instant, cette draft. Les gens les plus grands. J'aurais vraiment pas pensé faire des rage kits comme ça. Allez, 3ème tour. Bon, peut-être qu'il faut jouer une petite team en fait pour galérer. 3ème tour, encore une équipe à 190 en face. JFC, du Zidane, du Figo. Pff, grosse team encore, hein. Alexander Arnold Totti. Cristiano, la virgule, je pense qu'il y a moyen de gagner ce match vu sa façon de défendre en face. Après, je peux parler un petit peu vite. Et là, si je vous dis ça, c'est que je le sens plutôt bien. Dumfries sur le côté. La passe en retrait. Et fini. Ilicic pour le 1-0, 17ème minute. Milinkovic, il est passé pour Cristiano. Penalty. Putain, c'est quoi cet arbitrage? Allez, on la récupère. Petite passe en retrait, tu finis. C'est pas mérité, hein. On mérite le deuxième but, ça va rentrer. On est bien sorti dessus. Chiellini, il est partout. Et Cristiano, il est passé. La frappe, il a décalé le gardien. Et ça fait 2-0, 33ème. Pour l'instant, ça commence tellement bien. Incroyable. Allez, il a mis start. Me dites pas qu'il va rage quitte lui aussi. Oh là 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 là. On est sur 3 rage quitte en 3 matchs avant la mi-temps. Alors que j'ai une draft qui a 80 de collectif. 3-0, 4-0, 2-0. Que des rage quitte avant la mi-temps. C'est parti du coup. Finale de draft avec les gens les plus grands. 3 matchs, 3 rage kits. Là, je pense que ça devrait être bien plus compliqué. J'aurais joué 4 équipes à 190 de notes. Encore Zidane 96. Une très très belle draft en face. Je vais me concentrer, je vais essayer de la gagner pour finir en beauté. Allez, c'est parti. Concentration max. Je sens que là, on va un peu plus galérer. Attention. Voilà, on n'a pas pris de but de la draft. Ça commence direct, 5ème minute. Zidane pour le 1-0. On est mené. Ça se suit tellement pas mes joueurs. Je décale le gardien au premier poteau, en plus je fais tout. 2-0. Non, c'est compliqué vraiment. Ah, c'est compliqué. Au niveau de la défense, mes joueurs là, c'est... Ça suit pas en fait. Là tu vois vraiment que le collectif c'est super important. Oh, les comptes favorables en plus. Ça va pas nous aider. Deuxième compte favorable. Ça va pas nous aider non plus. Le troisième. Ça revient dans ses pieds, ça dégage tout seul. Allez, pas de quatrième compte favorable. Ça va, très mal pour l'instant. Non, ça va les comptes, ça va, ça va, ça va. Ils font aucun bon appel, c'est quoi ces passes? Allez Cristiano, let's go! Allez, 2-1, avant la mi-temps, c'est ce qu'on voulait. Allez, on peut peut-être revenir, remonter à 2-0 en finale, ça va être compliqué avec 4 ans de collectif, mais... Je vais essayer. Hein. Pour jeu. Allez. Non, l'action était dingue. Il y a 6 mètres en plus. Allez, fini. J'ai vraiment pas de chance dans ce match. Là, ça méritait de rentrer. Je suis devant les cages. Je sais pas comment aller sauver celle-là. Là-haut. Fini. Let's go. Luis Suarez pour le 2 partout et le pistolero. Magnifique. Allez, on est en train de le faire. Il me sort une reprise de volée en plus à la Van Bommel là. Allez, compte favorable. J'aime pas ça. Je vous l'ai dit. Compte favorable et son Zidane derrière. Il a juste à tirer, ça rentre tout seul. 3-2. Il a Alan, il a Alan. On peut peut-être l'avoir de vitesse. La passe pour CR7. Le pied gauche. Let's go. 3 partout et de retour.
Allez, on peut le faire, on peut le faire. Il va faire des changements. On n'a pas de changement disponible parce qu'on a déjà fait rentrer Pogba, Suarez et Bale. Qui est-ce qu'il a sur le banc? Il va falloir vraiment pas se jeter, je pense. Il a Messi. Bale, Mané, ça va être chaud. Allez, peut-être maintenant. Fini. Vous pouvez pas la mettre. Suarez. Oui. Let's go. C'était mon moche. Allez. Le 4-3, let's... Oh là 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 là. C'est le but le plus moche de l'histoire. J'ai tiré. Ça allait dans les pieds de CR7. Incroyable. C'est mérité. Merci, merci le script. Merci ce que tu veux. Merci Esports pour ce but. La remontada en finale de draft. Allez. Il y a 5 minutes. Aïe aïe, j'aurais pas dû laisser celle-là. Aïe aïe aïe, les espaces qu'il y a. Tacle. Non. 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 Ça revient sur lui. Ah, le jeu m'a pas aidé. Bon, en même temps, le jeu m'a un peu aidé sur le but d'avant, mais là... Après, il a bien joué de pas tirer aussi. Aïe aïe aïe. On a fait une remontada pour au final se reprendre juste derrière. Karma. CR7. Bon, pour la dernière occasion de ce match. Let's go! Il est où le karma maintenant? Wow, allez, c'est fini! C'est fini ce match! Est-ce que vous avez rien à dire? Crac! Mais quel match! Ah, c'est que des matchs de fou ici. Et c'est fini! La victoire juste derrière, incroyable! On remporte la draft avec 80 de collectif simplement, avec les joueurs les plus grands à chaque choix. Ça mérite de paquer... Un Totti. Moi, je sais qu'il y a plus de Totti dans les packs, mais ça mérite. Alors, 3-0, 4-0, 2-0 et 5-4. Un match épique pour finir, franchement. Alors, deux packs joueurs premium or, deux packs or. On ouvre ça. Alors, Torreira d'Arsenal pour le premier pack. Deuxième pack or. Giovanni Sio, c'est ça, non? Il nous reste du coup les deux packs joueurs premium or. 6 joueurs en rare. C'est avoir un bon truc. Animation. Oh, walkout. Allez, on va rembourser la draft. Espagnol, MDC, Barça, Busquets, 88, sans plus 89, 89 Busquets, magnifique. Pas mal de crédit. Pour une fois qu'on rembourse bien une draft, ça fait plaisir. Ça peut même cacher du lourd en vrai, enfin, pas trop en demander. Ça vaut cher je pense Busquets, au moins un petit 40 000 non? 35-40 000 pour Busquets à peu près. Et le deuxième pack, joueur premium or, pas de joueur plus de 83 du coup. Lucas Vasquez, 82, 81 pardon.